Yo, salut les amis, j'espère que vous allez bien, moi écoutez ça super bien, aujourd'hui un nouvel épisode de God End, donc le quatrième, et oui, déjà le quatrième, pour moi, parce que disons que j'ai tourné trois épisodes hier, et là je me suis dit le lendemain, eh ben, on va repartir de plus belle, et on va retourner encore un épisode, et ouais, moi j'enchaîne, donc le let's play va peut-être durer un petit peu longtemps sur la chaîne, ça durera le nombre, on verra le nombre d'épisodes, hein, de toute façon, mais cependant, Cependant, ça va assez vite, hein, mine de rien, pour ma part. J'ai vu un let's play et tout, et c'est vrai que ça va assez vite. Donc, je suis assez content et tout. Donc, écoutez, on va charger la partie. Alors, petite précision avant de commencer. J'ai totalement changé mon moveset et tout. Alors, autant le coup de pied chargé, le coup de pied en bas, le brise-garde et tout, j'ai rien changé. Autant les coups de poing, le combo normal et tout, j'ai laissé à 4 coups. Parce que, disons que, ouais... J'ai vu qu'un combo à 4, c'était quand même le plus facile à faire. C'est quand même le meilleur à faire et tout. Il y a surtout des coups qui sont très très utiles, alors je vous montrerai en cours de route. Donc mes combos et tout. Donc j'ai vraiment changé totalement mes coups carrés. Mais vraiment totalement. J'ai même vendu d'autres coups. Donc oui, on peut vendre des coups hein, dans ce jeu. Ça c'est quand même cool aussi. Oh mon dieu, c'est ce que je pense. Ah ouais! Oh, c'est énorme, ça. Oh, putain. Oh, les gars. Oh, la meilleure... Le meilleur moment du jeu, il est là. Ah, ouais. Ah, c'est parfait. Putain de macaque. Putain de gorille. Ouais. Oh, putain. Ah, j'ai plus de vie. Bon. Ou une pêche. Ah, j'avais plus de vie. Je sais pas si dans la dernière vidéo on avait de la vie comme ça. Je ne pense pas, non. Donc bon. Tant pis, écoute. Alors, il a beaucoup de vie, hein. Il a beaucoup de vie, le petit macaque. Oula, bien joué. Et d'ailleurs, il est assez fort, d'ailleurs, aussi. Donc je ne reconnais plus son pattern, je ne connais plus rien du tout. Donc ça va être un petit peu difficile pour moi. Alors, suplex du gorille, alors. Commande spéciale et tout. Ce sont les seules capacités qui peuvent vraiment lui faire mal, hein. Donc c'est assez compliqué avec lui. Ah ouais, je peux évidemment prendre ça, oui. Ah, j'ai eu un temps de recovery, c'est cool. Allez, tiens, saleté de macaque. Or, c'est pas vraiment un boss, hein. C'est plus un mini-boss qu'autre chose. Donc à pas prendre vraiment comme un gros boss non plus. Coucher. Saleté de macaque. Allez hop. Ah non, c'est un gorille, mais bon, moi j'aime bien dire macaque. J'aime bien dire macaque. Voilà. Parce que j'en sais rien du tout. Wow. Qu'est-ce qu'il fait? Ah, il appelle des alliés, ouais. D'accord. Alors, t'es où? T'es là. Putain. Pourquoi il est mort? Qu'est-ce qui s'est passé? Bon. Il l'a peut-être tué. On sait rien. Oula. Il a rien de la vie par contre. Ah, il lui a peut-être donné une banane, je pense. Facile. Facilement, ouais. Je pense que c'est ça. Donc, faut faire attention. Je pense que, ouais, quand il entre dans cette phase-là, quand il appelle quelqu'un, faut tout de suite. Allez hop. Lui foutre une belle patate. Parce que sinon, il va gagner de la vie en prenant une banane, quoi. Tout simplement. Oh putain. Allez hop. Je vais lui faire mon malin. C'est pas très intelligent, ça. Putain de macaque, allez hop. C'est pour moi la banane. Allez hop. Mode God End et on va le terminer, tout doucement. Vous voyez que mon combo avec Kari a totalement changé. Genre totalement. Allez, voilà. Ça devrait être bon. Parfait. Alors, excusez-moi, je vais juste couper le micro 2 secondes. Voilà, excusez-moi parce que ma gorge, ça va, hein, au bout d'un moment. Qu'est-ce que... Il y a une fermeture éclair. Ah ouais. Donc c'était pas un vrai macaque. c'était pas un vrai gorille, mais bon. C'était sympa ce combat. Petit combat de transition et tout, c'est toujours assez cool, mine de rien. Donc alors, je tiens à dire que je suis au même stade du jeu que lorsque j'avais commencé le jeu. Donc, je vais faire une sauvegarde ici.
Et voilà, donc on va continuer tout simplement, on n'a pas eu d'argent supplémentaire ni rien, donc... Voilà, voilà. Ok, alors il y a beaucoup d'ennemis ici. Donc ça va être un petit peu de tendax des fesses. Bon, déjà toi. Boum! Wow. Ça prend du temps, hein. Il prend du temps le coup, hein. Wow. Voilà. Alors, je me concentre ici, je campe pas beaucoup parce que faut quand même bien se concentrer, mine de rien. Mais bouge-toi aussi si tu veux pas te prendre de dégâts, mon golo. Et hop. Coupeur de tête, allez hop. Voilà, vous avez vu la tête du clown, comment elle est. Elle a sauté. Qu'est-ce que tu veux, toi? Et hop. Alors, faut savoir que... Je vais vous montrer un truc, en fait. En gros, j'ai bien changé mes techniques. Et en fait, j'ai mis le crochet rapide. Parce que au plus tu vas taper l'adversaire, au plus il y aura une chance qu'au bout d'un moment, il soit stun. Et quand il est stun, bah, tu peux enchaîner avec rond pour bah, lui faire vraiment une attaque qui va lui faire bien mal et tout. Donc c'est pour ça que j'ai changé vraiment ma capacité de avec ça, quoi. Juste avant. Raté. Totalement raté. Oula, joué. Il ne sait pas faire, lui, hein. Hop. Vous voyez, il est quasiment déjà sonné quand je lui fais un enchaînement après un brise-garde. Hein, quoi. Donc c'est vous dire à quel point c'est très très utile. Donc voilà. Bouh. Gonna go fast. Oula. Pourquoi j'ai pas fait prise garde? J'en sais rien, putain, mais j'ai mal la gorge pour ce soir. Tout va bien. Qu'est-ce que je me suis pris? N'importe quoi. Hop. Wow, 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 bien joué. Allez, hop. Ah, sont déjà là, toutes les deux. Nice. Coupeur de tête. Boum. Elles sont où? Putain, elles sont carrément atterri jusque là-bas. Un truc de taré. Attends, j'avais mis le stick en bas, là. N'importe quoi. Et hop, ça va te faire du bien, ça. Wow, 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 wow. Ah non, ça c'est un piège. It's a trap, total trap. Ça se met souvent en garde, elle, hein. Elle est chiante. Putain, c'est dur. Oula. Qu'est-ce qui se passe, là, d'un coup? Bon, c'est moi qui joue comme une grosse merde, mais bon, c'est... Putain, ouais. Est-ce que je peux péter le stand ici? Non. Parce que là, waouh. Pas mal, pas mal, hein. Oui. Donc, je t'ai sauvé. Ah oui, oh, merci. Merci, 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 merci. Ah, ça, c'est cool. Gars sûr, ça. C'est un gars sûr. Ah bah, bah voilà, bah, merci. Et hop, et j'emmène ça avec moi. Allez, salut. Et hop, je vais... Alors, est-ce que je dois aller là-bas ou là-bas? Je pense que je vais faire un petit tour ici. Et hop, comme ça, c'est fait. Alors, on va rentrer en mode God Hand, parce qu'avec elle... Voilà, hein. Obligé. Et hop. Ah, trop... stylé de faire ça, c'est un truc de taré. Et
Et hop. Tu sais, à force de t'échapper, tu vas te ramasser plein de patates et au final, tu vas... Bah, tu vas être étourdi et je vais te faire un coup en rond et puis voilà, c'est tout. C'est comme ça que ça se passe. Alors peut-être que cette capacité me procure plus d'attaque. Parce que ça peut être ça. Ou le clone. Bozo le clone, là. Alors, effectivement, je fais des plus grosses patates. Ah oui. Il a rien fait du tout, hein. Il a rien fait. T'es nul. Bozo, t'es nul. Voilà, clairement. Ah, toi. Honnêtement, je te sens pas. Hop, souplex. Boum. T'as toujours pas de démon. C'est cool. En plus, vous savez, quand je fais des combos et tout, ça remonte encore plus vite ma barre de God End. Et donc, c'est quand même très très utile parce que bon, déjà, tu peux foutre des patates comme tu veux. Et surtout, bah, t'es invincible pendant ce temps-là, donc. Oh ouais, je vais emmener ça avec moi. Hop. Au premier arrivé. Au premier venu. Oula. Allez, venez. Et ils étaient derrière, bah oui. Allez, hop. Salut, Bozo. Ça va? Et hop. Olé. Voilà. Nice. Alors, je vais... Ah non, il y en a un ici, bon. Lui, je sais, vu le sac de PV que c'est, que je vais faire ça, directement. Allez hop, une souplex pour finir. Nice. Donc comme ça, je suis pas emmerdé, parce que lui, il est chiant, quoi. C'est possible. Il est chiant possible. Donc il n'y a rien ici, d'accord, hop. Et ici. Rien du tout. Ah, mais c'était là, d'accord. Bah, ça va. J'ai plus rien à faire ici. Bon, à part, hop. Pff, merde. Des fois, il se ferme deux fois. Imprévisible, ça. Allez, voilà. C'est bon. Parfait. Je prévois beaucoup d'ennemis ici. Donc, on va prendre ça. J'ai toujours pris un bon petit parasol. Et hop. Petite balayette pour finir. Putain, le pauvre. Et on va reprendre ça. Et tu veux un cadeau? Eh ben, allez, hop. C'est pour toi. C'est cadeau. Hey. Ah oui, c'est vrai. Totalement biais. C'est quand même bien plus utile, hein, cette attaque. Franchement, quand tu... comment dire ça? Hop, ça va, c'est bon, hop. Quand tu étourdis plus facilement l'ennemi, mais c'est tellement plus simple. Un truc de taré, c'est fermé. Merci, Captain Obvious. Du coup, je dois aller où? Je dois aller là. Ouais, puisque c'était les gardes qui gardaient là, donc c'est un petit peu normal. Un petit peu logique, même. Mais c'est quand même beaucoup, beaucoup mieux. Franchement, question gameplay, je me sens mieux avec ça. Quand tu étourdis plus facilement ennemi que tu fais, bah du coup, de plus gros dégâts tout d'un coup, bah, évidemment que c'est quand même beaucoup, beaucoup mieux, quoi. Allez. Oh, où est-ce qu'on est? Alors, à partir de maintenant, je découvre le jeu. Je n'ai pas été aussi loin lors de ma précédente run, donc c'est de la full découverte ici. Donc à voir ce que ça donnera.
J. Oh, c'est les Power Rangers! Oh my god! Qu'est-ce que c'est que ça? Oh, les jeux de mots de merde! Purée! Ils sont aussi. 5 nanones. Oh, n'importe quoi. Oh, je vais devoir les affronter tous les 5 en même temps! Oh god! Oula, 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 oula! Ouh, ça promet un gros fight là! Ah putain, je les ai tous en même temps là! Oula, 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 oula! 5 en même temps, mais vous avez fumé quoi les gars? Oh putain, 5 en même temps! Ah ouais! Ou ça va être chaud là! Ou ça va être chaud! Alors je sais tous les mettre dans une même zone. Putain, non, 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 je vais mourir là. Bon, tant pis. Au moins ce sera déjà ça de fait, mais bon. Putain, ouais. J'ai bien fait de changer mon moveset aussi. Hein. Oh là 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 là. Oh, 5 en même temps, mais vous êtes sérieux les gars? Quoi? Putain. Merde, c'est impossible. Ah non, c'est pas impossible, mais c'est dur. C'est putain de dur. Ouah, 5 en même temps. Oh putain, ah ouais. Oh là là, oh my. Putain, je m'attendais pas à ça. Alors, on m'a dit hein, que les boss dans Godin étaient vraiment durs, mais à ce point-là... 5. Oh là 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 là. La bombe, allez hop. Ça fait un peu de mal à tout le monde comme ça. Rapidement. Oh mais ils ont... ils ont pété un câble les gars. Mais c'est affreux. 5. Ah, excusez-moi, je reviens souvent sur ça, hein, le 5 en même temps et tout, mais en même temps, bordel les gars. Ah, faut y aller, hein. Ça va. Après, ils ont pas énormément de défense l'autre, donc ça compense, on dira, mais bon, tout de même. Et hop. Oula. Ramasser, merci. Allez hop, bon, je vais en profiter, écoute. Hein. Et hop, ça aussi. Toi, on va t'éliminer. Toi, t'es chiant. Allez hop, t'es mort. Coupeur de tête, hop. Ça a servi à rien. Merci. Merci beaucoup. Bon, toi, tête prochain, logiquement. Ça va. Ça va un petit peu mieux. Bon, j'essaie de me fier également à la map, hein. Que je les vois arriver de loin là. Je vois les points arriver vers moi. C'est sûr que c'est la difficulté au max. Hein. Putain, ouais, je le vois arriver l'autre. Allez, t'es prochain. Normalement, t'es mort là. Merde. Ah, ça va, il est mort. Putain. Il faut encore des attaques en duo en plus, hein, ces enfoirés. Fermez-la. Fermez-la. Allez, hop, ça devrait être bon là, je pense. Allez, il en reste plus qu'un. Je pense qu'on est bon. Ils sont morts. Et hop, boum. Allez, meurs. Putain, ah ouais. Bon, heureusement, ils étaient pas super résistants, mais quand même.
Putain, les gros. Quoi? Qu'est-ce qu'ils font? Keep on rolling. Putain, lui qui n'aide pas, hein. Lui qui n'aide pas. Ah bah c'était cool comme boss, franchement. Bien sympa et tout, alors. Ces saloperies sont en plastique. Oh putain, c'est un prank. C'est un prank. Oh, un bateau. Oula, qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce donc? Riposte avec la même touche que le canon. Oui. Démarrer. Bah, triangle. Ouais. Ah, c'est original, ça, tiens. J'avais un peu plus de réaction, ça irait. Donc, ok, faut vraiment appuyer quand c'est rouge, en fait. D'accord. Boum, boum, boum. Voilà, ça, pas de soucis. Nice. Nice. Bon, c'était pas dur, hein. C'était vraiment pas dur. Mais c'est sympa, c'est comme je dis, c'est original. Donc, c'est cool. Alors, on va déjà fouiller un petit peu ici, voir s'il y a quelque chose. Ah, je pourrais courir aussi, hein. C'est vrai que j'y pense pas souvent. Mais je pourrais courir. Parce que hop, tu mets deux fois le stick avant et puis voilà. C'est vrai que. C'est que j'y pense pas. J'y pense pas. Ouais. Oh bah cool. Nice. Eh ben, les gars. J'arrive! Boum! Boum! Ça va, ça me met tellement mieux avec ce coup rapide que j'ai mis. Ça va tellement mieux. T'essayes de reprendre ton arme, gamin. Oula, merde. Voilà, bon, il a réussi. Et hop. Voilà. Au moins ça c'est fait. Hop. Putain, il y a pas mal de choses ici, hein. C'est un truc de ouf gueudin. Le coup. Oh, j'ai bien fait de garder l'arme. Oh, allez, au revoir. Au revoir. Ça c'est dit, ça c'est fait. Hop. Ouh, j'ai ma jauge au max. Nice. Qu'est-ce que tu fais? Oula. Wow. Voilà. Hop. Personne d'autre ici, non. Alors, on va fouiller le bateau, on va vraiment tout fouiller. Alors, est-ce que je peux rentrer? Non. Dommage. Non, on tape pas en non. Je peux pas rentrer. Ici, il y a un ennemi. Non. Alors, il y a sûrement un ennemi ici. Hein. Il y a très très sûrement un ennemi ici. Allez, hop, c'est quoi? 100 points. Ouh. Ça me paraît être une belle technique. Voilà. Je pensais pas qu'il m'aurait touché, mais bon, tant pis. Le mec il sait rien faire. Il est coincé là. Et hop. Dégage. Yes, I love it too. Oh, c'est sympa cette petite escale sur le bateau là, c'est assez cool. Alors ouais, il y a une dernière caisse. Non, rien du tout. Bon bah on peut retourner, hein. Et hop, on y va. Et puis la musique est toujours aussi excellente et tout. Ce jeu, quoi, voilà. Ce jeu. Incroyable. Ah! Bonjour! Ça va? Wow! Bien joué! Bien joué, mon gars! Ah ouais, il y a un coup que je devrais vous faire plus souvent. C'est ça, en fait. Hop! Ah bon, lui, parce qu'il est gros, hein! Je sais pas faire le second coup spécial avec bas triangle. Mais bon. Je vous montrerai sur un ennemi lambda ce que ça fait. Oh, nice. Cool. Hop. On reprend ça. Et on y go.
Ah bon, on avance bien, je trouve, honnêtement. Avec de la chance, peut-être qu'on terminera le troisième stage dans cette vidéo. Ça pourrait être sympa. Ça pourrait être très très sympa. Hop là. Voilà. Continue. Continue. Ah ouais, bah évidemment, il y a d'autres ennemis maintenant. Allez hop. Ah comment, mais je l'ai démonté en deux, même en trois, je dirais. Waouh. Merde, j'allais le toucher. Ah zut. Oh, oula, bien joué. Ah, c'est un froussard, lui, hein. Et hop. Ça va te réveiller. Ça va te réveiller. Bah ça, le percute que j'ai fait, en fait, c'était l'enchaînement du bas triangle, en fait. Hein. C'était vraiment l'enchaînement du bas triangle. Donc j'envoyais l'ennemi en l'air, et ensuite, je l'enchaînais avec cet uppercut. Et je pense que, logiquement, tu peux faire un troisième combo avec un coup de pied. Mais ça, je ne sais pas comment faire. Bah, je sais pas comment faire. Mais bon, je vais pas utiliser souvent cette commande, donc c'est pas trop un souci. What? Oula! Qu'est-ce que c'est que ce lieu? Bonjour. Putain, c'est bourré de chihuahua là. Qu'est-ce que c'est que ça? Il y en a toutes les couleurs, hein. Waouh. Oh, il y a un cirque à l'intérieur, ouais. Ok. Reporter, oui. Alors, est-ce que j'ai des choses à récupérer là? Visiblement, oui. Oula. Otage des chihuahuas, ça craint. Oui, oui, ça craint. Ça craint. Si un chihuahua c'est ton gourou, bah évidemment que ouais, ça craint un petit peu quand même. Putain. Otage de chihuahua. J'ai du jamais vu ce truc. C'est bien dans God End que tu peux voir ça, hein, bordel. Oh, mais c'est un truc de Godin. Ah, j'adore. L'humour, hein, toujours aussi présent dans ce jeu, c'est incroyable. Bref, on y va. Ça sent le boss. Ah ouais, ça sent vraiment, vraiment, vraiment le boss. On va sauvegarder. Et on prie pour que ça aille. On prie pour que ça aille. Le show de Shannon Wave. Ouais. Je suis sûr que c'est le boss, là maintenant. And now for our special guest. This should prove to be a wonderful show. Hate to burst your bubble, but I'm no one's toy. But if you're after a playmate, I know this one girl. You just don't understand women. There can never be two queens. Looks like this dog can be trained after all. The only bitch that needs training is you. So you're gonna train me, huh? First man I've met who's ever said that. Really? I figured a girl like you'd hear that all the time. Putain, j'adore ces répliques, un truc dingue. Alors le boss, je sais pas quoi m'attendre. Je connais rien de ce boss. Wow, putain, ça commence bien. Wow. Oula, oula, on va se calmer deux secondes. Wow, quoi? Attends, je suis un chihuahua. Merde. Barre-toi. Merde, au secours. Oh merde. Qu'est-ce que c'est que ce boss? Oh shit. Oh merde. Ouais, putain. Wow. Alors je vais essayer de faire un coup. Voilà. Lancer sauvage par exemple. Ouh, elle a l'air dure, elle. Ouh, elle a l'air compliquée. En tout cas, j'adore la musique. Bien sympa. Ça va bien avec l'ambiance du combat, je trouve. Merde! Mais comment ça m'a poursuivi jusque-là? Merde, putain, ce combat, quand même. Attends, je peux accéder à l'intérieur, du coup, là. Parce qu'il y a plein d'items. Alors, je vais me barrer.
En attendant, si je peux trouver un item ou autre pour me soigner. On peut toujours être cool. Ah ouais, d'accord. Ah, ce boss, il rigole, mais zéro. Un truc de dingue. Ah, c'est quoi? Merde! Oh là, ça... Oh l'enculé. Oh putain, il m'a mis des ennemis, mais en plus chiant, là. Et hop! Ouah, ça a l'air, mais ouf ce combat. Il a l'air dur, mais il a l'air ouf quand même, tu vois. Ça a l'air cool. Et hop, suplex. Tiens mon ami. Pied clair au gagné, tant mieux. Mais je m'en fiche un petit peu pour l'instant, c'est pas le principal. Je me concentre sur le combat là. Et hop, enchaînement réussi. Oh merde! Mais qu'est-ce qu'il fout là, lui? En plein milieu! En plein milieu! Il s'invite! Oh merde! Il a des pics! Ouah, c'est un tout nouveau, lui! Alors toi... Coup de chaîne. Ramène-toi, là! Et hop! Ah ça, je vous l'avais pas montré encore, hein. Mais c'est quand même une technique vachement utile. J'aimerais bien enchaîner le boss comme il faut et de lui faire un coup, justement avec rond. Et vous savez que les coups avec rond, ça fait très très mal, donc c'est quand même quelque chose de très très utile. Merde. Ah putain. Ah, j'étais à deux doigts de la mort, là. Putain, ça fait mal, ces conneries. What the fuck. Connasse. Tiens. Ça... Salaud! Pas gentil, ça. Cooper. Hop. Merde. Totalement raté! Ah ouais. Ah bon, Chihuahua mode là. Putain. Je vais me concentrer là parce que... Je lui ai rien enlevé au boss, hein. Vous remarquez que je lui ai rien enlevé du tout, hein. Putain, dégage. Allez hop, lancer sauvage. Et ouvre bien tes cuisses. Et boum. Et on va se mettre en God Mode, là. Enfin, plutôt en mode God End. Vise là, voilà. Merde, merde, merde. Putain de merde. Oh là 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 là, quel est difficile. Je vais saigner hein, si les boss sont vraiment comme ça et tout, là. Je vais saigner pour le reste hein, du jeu, hein. Oh, bordel. Mais merde, ça te poursuit loin, ces conneries. Et hop! Tiens! Prends ça dans ton cul! Voilà. Excusez-moi du terme, mais voilà. Je pouvais rien dire d'autre. In your ace! Alors, je vais essayer de péter un ballon ou autre, en espérant trouver de la bouffe ou autre. Non, rien du tout. Voilà. C'était prévisible de toute façon. Waouh! Waouh, 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 waouh! Coup de chaîne, allez hop, viens là.
Eh oh. J'ai pas dit que j'avais terminé, hein. Tu viens là. Oh putain, le first try. GG. Oh. Oh putain, je l'ai totalement first try. Oh alors là. Oh, le GG ultime. I know. I always seem to exceed women's expectations. You've certainly exceeded mine. Ah yes, another satisfied customer. This is farewell for now. Next time you won't be disappointed. A bus? Ouais, carrément un bus qui apparaît comme ça, c'est cocasse quand même. Mais voilà, on aura réussi, voilà, bon, un village à tuer, oh, j'en ai tué un, tiens. Bon bah, tant pis pour lui, tant pis pour lui. C'est vrai que je m'attendais pas à la first try, c'est cool. Shannon, it seems you failed us as well. Don't talk to her like that. Remember who's in charge. I won't make excuses. You just have to let me finish what I've started. We want him alive. I'll do it. Shut up, human! You think we'd let filth like you screw this up? Elvis, shut up! Just let me make that man my slave. Enough! I'm going to try Dr. Ion. Okay? You're gonna use a cheap tin can for this? If Dr. Ion can capture the God Hand, he can take your place in the Four Devas. If you replaced me with that stupid toy, these meetings won't go any smoother. Sometimes I think all we do is hold these ridiculous meetings. Pitiful. I'm gonna do this my way. Oh, je sens qu'on va le voir dans pas longtemps, lui. On va le voir dans pas longtemps. Limite, même à ce chapitre-là, je pense qu'on va le voir. Bon, je vous propose qu'on aille au magasin. Donc, avant toute chose. Et après, on s'en terminera là, tout simplement. En tout cas, waouh. C'était génial, ce combat. Il était totalement génial. Après, j'ai l'impression que je me mets un peu trop en tête qu'il faut utiliser les attaques spéciales et tout, et pas assez les coups physiques. Et faudrait que j'apprenne à bien utiliser le brise-garde aussi. C'est quand même quelque chose de bien, ça aussi, le brise-garde. Montée de 40, hop. Voilà. Mon énergie aura bien augmenté. Comme ça, ce sera cool. Alors ouais. Tu vois voir. Oula, ouh, la barre de vie. Comme elle est grosse, maintenant. Elle est bien grosse. Ah, il y a un nouveau gars. Cours chihuahua. Attends. Attends, je peux... Choisir un chihuahua. Ouais, attends, c'est quoi? Ah, on peut parier un chihuahua. Attends, sérieux? Ah, c'est une course au pari. Allez, cours! Cours, mon petit! Allez, je crois en toi. Et il va gagner en plus, ce con. Cours, mon grand! Allez! Allez, allez, allez! Ouais! Champion! Allez, hop! Ça va. J'ai combien? Waouh! Tout le pognon que j'ai gagné! Ah ouais! Allez, on va en faire un autre, mais on ne sait jamais. Sait-on jamais. On va reprendre le même. Allez, hop. Je mets 1000. Cette fois-ci, je mets 1000. Alors, faudrait que le rouge se casse la gueule. Ce serait cool. Mais sinon, c'est pas grave. Hein. Sinon, c'est pas grave. Hein. Ah non, je pense que c'est mal parti ou c'est pas grave. C'est pas grave. Ah, mais tu vois, rouge, il s'est cassé la gueule. Tu vois, il n'y aurait pas eu une remontada du violet, bah on aurait gagné, c'est pas grave. On a quand même gagné beaucoup de pognon. Je pense qu'on peut facilement farmer de l'argent en faisant ça, tiens. C'est assez marrant. C'est assez marrant. Tiens, je connaissais pas. La course de chihuahua, c'est quand même cool. Mais maintenant que, ouais, elle a plus d'emprise sur le chihuahua, bah on peut être friendly avec eux, quoi, en fait. Hein. Si je comprends bien. Mais bon, voilà. Allez, sur ce, les petits amis, c'est pour cet épisode de God End. En tout cas, j'espère que vous l'aurez apprécié tout comme moi. Et sur ce, on se retrouve la prochaine fois pour le prochain épisode. Et sur ce, je vous fais des bisous tout le monde. C'était Team Happen. À bientôt tout le monde. Ciao, bye bye, les petits amis.